je mieux me traiter, si vous voulez mettre en chita, je vais mieux me traiter avec mes ciblants. Le discours, nous demandons aux officiers de l'église à signer. Puis je vous invite à un moment de silence, on va tout faire comme on a fait. On a toute activité en prie. Tendre Père, nous célébrons ta grandeur et nous nous estimons heureux du privilège que tu nous donnes de nous approcher devant le trône de ta grâce dans un élan de reconnaissance, mais avec nos prémices dans nos mains pour reconnaître que c'est toi qui nous as bénis. C'est toi qui nous as conduits. C'est dans ta fidélité que tu as pourvu de manière extraordinaire pour chacun de nous. C'est toi qui nous as ouvert ton bon trésor pour nous enrichir. C'est toi, ô notre Père, qui as pris soin de nous, qui nous a couverts par ta protection. Et tu nous as comblés de grâce que nous ne pourrons jamais payer un jour. Et nous sommes revenus sur nos pas pour t'exprimer notre gratitude et déposer notre offrande de prémices à tes pieds comme expression agréable de nos sentiments. Nous te prions de l'accepter. Accepte l'offrande de ton peuple. Que cette offrande soit l'expression de notre appartenance, de notre obéissance, de notre soumission, de notre connaissance de ta fidélité envers nous. Et que l'odeur te soit agréable. Bénis ton peuple. Bénis l'offrande de nos cœurs. Bénis l'offrande de notre écoute. Bénis l'offrande de notre contemplation de ta gloire et de ta fidélité à travers les années. Reçois favorablement les sentiments de nos cœurs, l'offrande de nos biens, par Jésus-Christ, notre divin Sauveur et Seigneur, qui seul veut et règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Merci. Bonne adoration. Où c'est chez l'eau, dans un... Oui, où tu...
disque. Nous avons un deuxième concert de musique nous. Pendant que jeune nous à Chita. Nous avons un deuxième concert de musique avant le message de la parole de Dieu. Tout d'abord, groupe de Bethsaïda. Nous avons les enfants de Pasteur Fitzbert. Nous avons des disciples. Nous avons sur un trône très élevé. Il épand de sa robe remplissait le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes. Deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, 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 Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera ?» Je répondis. « Me voici, envoie-moi. »